OK. Pendant que tu fais la vinaigrette, voilà. Ça cuit. On y va. Qu'est-ce que tu veux que... Vas-y, vas-y. En fait, je mets un petit peu d'huile d'olive. Toujours du tamari, sauce soya. Moi, j'utilise le tamari. C'est mon sel, en fait. J'utilise aussi du vinaigre de cidre de pomme. Ça pourrait être n'importe quel vinaigre, j'imagine. Ben, en fait, moi, j'apprécie particulièrement le vinaigre de cidre de pomme parce qu'apparemment, il est moins alcalin ou pour le corps. Moins ou plus, excusez le détail, là, mais il est meilleur pour le corps qu'un vinaigre, le vinaigre blanc, par exemple, ou même le vinaigre balsamique. Vas-y, la moutarde. Pendant que tu fais ça, je vais faire saisir le tempeh. Ouais, je mets un petit peu de moutarde. Là, j'ai découvert la moutarde de noix, là, mais c'est toujours de la moutarde de Dijon giclée. Je vais mettre de la levure alimentaire aussi dans ma vinaigrette. OK, pourquoi la levure alimentaire? Parce que ça contient beaucoup de B12, OK. ce qu'on retrouve dans la viande, en fait, puis ce que nous, on n'a pas parce qu'on ne mange pas particulièrement de viande. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup son goût qui est un petit peu salé, puis qui goûte un petit peu le fromage. Oh, C'est intéressant. Fait que la vinaigrette est faite. ça ressemble pas mal à ça ce que tu fais Ouais, dans ça c'est pour le bol. Ouais, parfait. Mais même, je pense que c'est correct comme ça. La cuisson est La bonne. cuisson est bonne. Ouais. OK. Parfait. Ici, ta Ok. vinaigrette est finie. Ouais. Il reste à finaliser en fait la salade. Ouais. Moi, je mets aussi beaucoup de noix de Grenoble dans mes salades OK. parce que c'est une noix qui est quand même nourrissante pour le cerveau. Je trouve que c'est important. Puis j'adore les noix, puis ça apporte une texture intéressante. OK. J'aime aussi beaucoup mettre des germinaisons que je me fais. Ça aussi, ça contient beaucoup de Ça, protéines. tu les as faites à base de quoi, celle-là? Ceux-là, c'est sarrasin et fenugrec. OK. Puis comment tu as fait ça? Ben, j'ai comme une petite machine chez nous en rond, là, puis je mets les petites graines dedans, puis je les arrose, l'eau s'écoule. Je fais Ça fait ça. ça, ouais, c'est ça. Je OK. fais ça comme pendant 2 jours, puis ensuite de ça pousse, puis je les laisse aller. OK. Ça prend à peu près 2 jours. Ouais. Ensuite de OK. ça aussi, j'ai fait griller des pois chiches et des fèves de soya OK. que je vais aussi mettre pour la texture. Puis en plus de ça, bien, ça apporte aussi plein de bonnes vitamines et minéraux. Des pousses. Des pousses en déco, ça c'est sûr. Des pousses, ça fait partie de la vie, là. C'est tellement plein de vitalité. Est-ce qu'on met autre chose là-dedans? Bien, je vais ajouter un petit peu d'avocat. OK. Est-ce que tu mets autre chose à part de ça? Non, ça va être assez complet. OK. Je sais pas si tu as une cuillère. Ah. J'ai besoin d'une cuillère. On va y aller avec la cuillère. On va terminer avec l'avocat. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir quand que nos légumes vont être prêts avec les jus vitalité. OK. Et puis la terminaison de ton bol, ça te Ouais. convient? Wow! Moi, j'ai hâte de goûter à ça. C'est beau, hein? Et voilà. Plein de belles couleurs. Ça a l'air super bon. On est accompagné de Myriam Lefebvre qui fabrique du kombucha et qui fait ça ici à Shawinigan. Bonjour, Myriam. Salut, Justine. Ça va bien? Ça va bien, toi? Certainement. Écoute, je trouve ça magnifique, les couleurs, tout ça. Explique-nous donc, qu'est-ce que c'est du kombucha? Ben oui, là, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fait avec un champignon. C'est pas exactement ça. C'est une fermentation sauvage de différentes levures et bactéries. C'est du thé qu'on va faire fermenter, qui nous donne un breuvage qui ressemble plus tellement à du thé, qui se boit froid, qui est effervescent, puis qu'on peut aromatiser, comme on peut voir, là, avec vraiment un peu à l'infini, là, des fruits, des légumes, des herbes, des épices, name it. Fait que comment tu fais ça? T'as comme une mère, comme un Ça vinaigre? ressemble beaucoup à une mère de vinaigre, en fait, oui. Fait qu'on va infuser du thé, on va ajouter du sucre, puis ensuite, on va ajouter une partie de kombucha déjà fermentée, un peu comme on ferait pour un levain, puis notre mère, puis ça va fermenter, là, de quelques jours à 2, 3 semaines. Mais là, pour avoir une essence comme curcuma et mangue, tu rajoutes de la mangue, du curcuma dedans? Oui, vraiment, vraiment de la purée de mangue puis du curcuma frais. C'est-tu toujours le même type de thé?
Nous, oui, mais on pourrait varier les thés là, à l'infini, en autant que ce soit vraiment la plante de thé, par exemple. Ça, c'est important. Là. Mais okay. Ça pourrait être thé blanc, thé noir, du houlong. Nous, on travaille sencha pas mal toujours. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, je regarde ça, là, 24 calories dans une bouteille de vin, mais ça a des propriétés, j'imagine. Oui. Oui, c'est pas beaucoup. Déjà, en partant, c'est deux fois moins sucré qu'un jus, trois fois moins qu'une liqueur, là, en moyenne. Donc, juste à ce niveau-là, déjà, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de caféine une fois que c'est fermenté. Ça va être un breuvage super désaltérant, qui va être un peu énergisant aussi, qui va aider beaucoup pour la digestion. C'est quelque chose qui est vivant, c'est non pasteurisé, donc on a tout l'effet probiotique aussi qui vient avec ça. Okay. Puis les polyphénols du thé, évidemment, là, qui sont là aussi. Là, fait que c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire du kombucha, vous autres, dans la vie? Ça, c'est drôle. En fait, on a l'impression que c'est une nouvelle chose, mais ça existe depuis hyper longtemps, là, au moins aussi longtemps que la bière. Puis là, ça revient à la mode, mais ça a déjà été à la mode. Moi, ma mère, mes tantes, à l'époque, en faisaient quand j'étais jeune. Un peu comme du yoga, là, oui, c'est le contour. Oui, ça a comme été des modes, le pain, tout ça. Fait que moi, je connaissais déjà ça. Puis dans les dernières années, moi puis mon copain, on s'est mis à en faire. Il a découvert ça, on fait des tests. Puis les gens voulaient nous en acheter, puis on s'est mis à faire des recherches, puis on s'est dit, bien, peut-être qu'on pourrait se faire un projet de vie avec ça, tu sais. OK, mais écoute, c'est merveilleux. C'est produit ici à Shawinigan. Vous avez quoi, un an de... Oui, tout juste. Ça a fait un an en janvier. Et ouais. Puis, vous êtes déjà dans 50 points de vente? Oui. Oui, puis autant sur une liste d'attente, je te dirais que la demande pour le kombucha en général là, est grandissante. Là. Ça, c'est une belle découverte pour beaucoup de gens. Bien, merci beaucoup, Myriam, d'avoir été ici avec nous. Merci. Puis bonne continuité. Merci. Bon, Catherine, on en revient avec les légumes cuits. Je te laisse aller avec le bol. Je te laisse monter ça pendant ce temps-là. Moi, je vais faire un smoothie avec deux jus. Ça va aller vite. Regardez bien. C'est bon. Parfait. OK. Donc, le smoothie, on a des bananes, de l'ananas, de l'avocat. On a aussi dedans du yogourt de noix de coco. C'est bien bon, d'ailleurs, je viens de découvrir ça. Et du maca, ça, c'est les vitamines, les minéraux nécessaires pour donner de la vitalité que Catherine m'expliquait. C'est une plante adaptogène. C'est ça. Ou encore nous calmer les nerfs. On commence avec ça, on met ça dans le blender. Tout de go. Moi, ça, je vais monter le petit bol pendant ce temps-là. J'aime ça, Diogo, j'en mets plus qu'elle m'a dit. Et une cuillère. On n'a même pas trop de ça. Ça va faire du bruit. C'est parti. Là, Catherine, ton smoothie, c'est le fun, là, mais il manque d'eau dedans ou de liquide. Je peux-tu mettre du... Moi, je rajoute toujours un petit peu d'eau. De l'eau ou du coconut drink? Ben, en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi, je rajoute toujours de l'eau. OK, ben moi, je vais mettre ça parce que j'aime ça, le noix de coco. Ben c'est super bon, là, le... Les deux ensemble aussi avec le yogourt, là. Ça va donner un petit punch du sud. Un punch comment? Un petit punch du sud qu'on a de besoin en ce moment. OK. Le smoothie est pas mal prêt. Je vais faire les jus vitalité avec des épinards. Des concombres, des pommes vertes. Oh yeah. C'est quelque chose, cette affaire-là. Ça, c'est de l'extrait. Mais faut pas trop forcer non plus. Ouais, là, c'est ça. Il a de l'air à avoir de la misère. Ouais, c'est parce que là, il est jamé ici, là. OK. Faut le mettre à ta peau. Le smoothie, tu verses ça dans un bol, habituellement? Oui, toujours dans un bol. Je le mange comme une soupe. OK. Là, tu me parlais de déco. OK. Donc, Catherine, moi, je te laisse finir ce jus-là. Moi, je vais aller faire un autre jus dans l'autre machine en arrière, puis je te laisse décorer ça. Parfait. C'est bon. Vive le bruit! Ça va être bon, ici. Wow! Ça, c'est beau, mais là-dedans, il y avait des carottes, il y avait de l'orange, il y avait du kaki, il y avait...
Une branche de céleri. Une branche de céleri. Carottes. Carottes. C'est pas mal ça, hein? Ouais. C'est beau, hein? Wow, la couleur de ça, là. Ça l'amène le soleil. On aime ça. Ouais, c'est super beau ce que tu as fait, Catherine. Puis on peut dire aux gens aussi que tu donnes des cours de yoga? Oui, je suis professeure de yoga, Kundalini. J'ai une page Facebook. À quel endroit? C'est ici à Shawinigan ou à Saint-Bonnefoy? En fait, je commence à Yoga 3 à Trois-Rivières dès lundi à 5h30. OK. Puis on est dans un pourparlers pour me trouver une autre salle pour avoir encore accueillir beaucoup plus de gens, plus vers grand-mère Shawinigan. OK. Bon, ben si les gens veulent avoir des informations, allez sur ta page Facebook. J'ai une page Facebook, Yoga, Santé, Développement personnel. J'ai le plaisir de vous répondre. J'ai hâte de goûter à ça. C'est toutes des belles choses. C'est nouveau pour moi. Alors, on plonge, puis... C'est super beau, J'ai mis de la raquette au fond, puis de la menthe aussi. OK. C'est super avec bon. Les petits pois, là, c'est bon, la menthe. Mais merci, Catherine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tu m'as appris plein de belles choses. Mais ça c'est fait super plaisir. Beau. Merci, mon ami. Je t'aime. Oh, moi aussi. Ben à la maison, on se retrouve pour une prochaine émission de Chef Justine. Bye bye! Familia! C'est bon! Fier de faire rayonner notre communauté.